Bouh! Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo Mes lectures et je vais te parler de 4 livres. Le premier dont je vais te parler, c'est Sur la route du papier de Eric Orsenna aux éditions Livre de Poche. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais dans ma précédente vidéo Mes lectures, je t'avais déjà parlé d'un livre de Eric Orsenna qui était donc La fabrique des mots, qui est un livre que j'avais bien aimé. Du coup, j'ai voulu continuer sur ma lancée et donc j'ai acheté celui-là. Donc dans ce livre-là, sur la route du papier, on suit donc un personnage qui va voyager donc dans plein d'endroits dans le monde et qui va visiter plusieurs musées aussi donc pour découvrir comment le papier a évolué, donc c'est-à-dire comment il a été inventé, comment finalement il a évolué au fil du temps, comment il se réalise traditionnellement aussi, comment ça se passe niveau déforestation, donc par rapport aux arbres qu'il faut couper pour faire du papier forcément, et donc plein de trucs comme ça, et donc c'est en fait ce voyage que l'on va suivre dans ce livre. Sauf que ben, on va dire que ce livre ne m'a pas autant plu que celui que j'avais lu avant celui-là, donc La Fabrique des mots. Tout simplement parce que dans La Fabrique des mots, on avait quelque chose d'assez ludique. Donc l'histoire était très plaisante, je trouvais, et en même temps on apprenait des choses. Et je trouve que dans ce livre-là, on a vraiment perdu ce côté-là, ce côté plaisant. J'avais vraiment l'impression de plutôt de lire un cours sur le papier qu'une réelle histoire. Je trouvais que le récit en lui-même était vraiment pas assez présent. Et ça m'a déçue en fait, voilà. J'ai vraiment trouvé qu'on avait perdu ce côté ludique. Du coup, ben voilà, j'étais un peu déçue pour ce livre, je l'avoue. Ensuite, je vais te parler de Journal d'un corps de Daniel Pennac aux éditions Folio. Donc comme tu as pu le comprendre un peu dans le titre, je pense, donc dans ce livre, on va suivre un homme qui va nous raconter en fait l'évolution de son corps et comment il appréhende son corps de sa jeunesse à sa mort. Oui, à sa mort. Et donc du coup, tu vas avoir plein de détails entre guillemets sur comment le corps, son corps évolue, comment il va l'appréhender de manière différente en fonction de quand il est jeune, comment quand il est vieux, quand il est jeune, quand il va se muscler, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement, et quand il va vieillir finalement, qu'est-ce qu'il se rend compte que son corps n'est plus capable de faire, qu'il pouvait faire avant, enfin plein de petites choses comme ça. C'est vraiment le journal de son corps, donc physique. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment acheté ce livre parce que j'ai trouvé ce principe absolument génial. Je trouvais ça très original, franchement. Et d'ailleurs, le livre était très original. C'était vraiment un bon livre, j'ai bien aimé. Je trouvais ça plutôt intéressant. Franchement, ouais, c'était bien. Après, pour la petite anecdote, il y a un truc qui m'a un peu perturbée, c'est que j'ai acheté le livre en étant persuadée que ce serait le journal d'un corps d'une femme. Et dès les premières pages, j'ai vite compris mon erreur. Et que c'était donc le journal d'un corps d'un homme, donc je ne sais pas pourquoi dans ma tête c'était celui d'une femme, je n'ai pas compris mon délire. Mais bref, ça m'a un peu perturbée sur le coup, mais bon après c'est passé. Et je voulais te dire aussi, même si c'est vrai que c'était un très bon livre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose dedans pour que ce livre soit vraiment, vraiment, que toute son originalité ressorte. Je sais pas, il manquait un petit truc, mais je ne saurais pas vraiment te dire quoi, voilà, je me sens nulle de t'avoir dit ça, mais voilà, je tenais à te le dire quand même. Je vais maintenant te parler de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey aux éditions Rajo. Donc ce livre, ça raconte l'histoire de Sonia et de Lou. Sonia d'un côté qui est passionnée par l'écriture et Lou qui de l'autre côté, elle, est passionnée par le dessin. Et elles vont se rencontrer sur un forum sur internet et elles vont lier une amitié virtuelle. Et de par cette amitié qu'elles vont avoir, elles vont unir leurs deux talents pour essayer de monter un projet qui est un fanzine. Quand j'ai acheté ce livre, j'étais plutôt contente parce que j'aimais beaucoup l'idée de mélanger l'art d'écrire et l'art de dessiner. En plus, ça parlait d'amitié. Je trouvais que c'était quelque chose, un thème très joli. Je me suis dit que ça allait être vraiment super bien. Vraiment, le thème du livre, le résumé, ça m'a tout de suite donné envie. Du coup, c'est vrai que je l'ai acheté un peu sans hésitation. Mais, parce qu'il y a un mais, je sais pas, j'ai trouvé ce livre un peu plat. Je sais pas comment te dire, mais je trouve que l'écriture de Samantha Bailey, en tout cas dans ce livre-là, était plate. Il y avait pas, j'ai pas ressenti d'émotion très forte. C'est vrai qu'il y a un petit suspense à la fin, mais rien d'extraordinaire. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose vraiment pour que je puisse m'attacher réellement aux personnages, donc surtout Sonia et Lou, donc. Et ce quelque chose n'était pas là, et du coup, je me suis pas du tout attachée à elle, et du coup, c'est vrai que à ce moment-là, quand t'es pas trop attachée au personnage, je trouve que tu es un peu en arrière par rapport au livre, je veux dire, t'es moins proche du livre et que du coup, sa lecture est moins intéressante. Donc du coup, c'est ça que je reprocherais à ce livre, c'est que j'ai trouvé ça un peu trop plat. Et voilà, c'est dommage parce que je trouve que le thème de base était vachement bien et du coup, j'étais un peu déçue. C'est dommage. Mais donc voilà, du coup, je sais qu'il y a un deuxième tome, mais je pense que je ne l'achèterai pas. Voilà. C'est dommage.
Et enfin, je vais te parler de Chocolat de Johanna Riss aux éditions Folio. Donc autant te le dire tout de suite, ce livre-là, je l'ai adoré. Donc dans ce livre, on va suivre Viane Rocher et sa fille Anouk, et qui un jour vont décider de s'installer dans un petit village et d'ouvrir une chocolaterie. Sauf qu'on va dire que leur arrivée ne va pas du tout plaire à tout le monde, principalement au curé du village en fait, qui va voir dans Viane Rocher une sorte de sorcière, et du coup ne va pas apprécier son arrivée et voudra même la faire partir parce que ben voilà, il a vraiment l'impression que son arrivée va tout bouleverser dans le village, ce qui n'est pas totalement faux, mais je vous en dis pas plus. Et donc vraiment, j'ai vraiment, mais vraiment aimé ce livre. L'écriture de Johanna Riss est très jolie, simple, mais très bien. Je sais pas quoi te dire d'autre, c'était super. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit soupçon de magie qu'il y avait dans le livre, qui était là, mais sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez, juste ce qu'il faut en fait pour rendre ce livre, voilà, pour rendre ce livre magique clairement, avec lui donner un côté merveilleux, tout en restant pourtant dans quelque chose d'assez basique comme histoire ou d'assez réel entre guillemets. Du coup, j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre. Franchement, c'était super. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, si ce n'est que c'est super et que j'ai vraiment, vraiment envie de lire un autre livre de Johanna Riss. Donc j'espère pouvoir en acheter un bientôt. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de la découvrir dans d'autres romans. Ce roman était un peu une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Je l'ai clairement acheté juste pour le titre, Chocolat. Et c'était super. J'adore. D'ailleurs, je crois qu'il y a un tome 2 à ce livre. Du coup, j'ai vraiment envie de l'acheter. Voilà. Achète ce livre, lis-le. Il est trop bien. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et que je t'aurai donné envie de lire ces livres ou pas. En fait, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans cette vidéo, hein. Mais c'est pas grave, il en faut bien de temps en temps. Et donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ces livres ou pas, si tu les as lus. Et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!